vais vous faire une présentation. J'ai choisi d'aborder 6 points. Je vais revenir un peu sur mon activité de recherche, ou plutôt sur les activités de recherche du laboratoire Techné que je dirige à l'Université de Poitiers, pour que vous puissiez mieux ne pas comprendre, mais situer et vous positionner par rapport à mon point de vue. Je vais faire évidemment, c'est le sujet, un point très partiel et personnel de chercheur sur culture numérique pour essayer de définir, conceptualiser, réfléchir en tout cas à ce que ça peut bien vouloir dire pour nous, les enseignants, et tous ceux qui s'intéressent, et tous les acteurs d'éducation. Et puis ensuite, donner quelques pistes de réflexion sur finalement ce que le numérique fait aux institutions éducatives. Alors j'aime bien cette formule parce que Paul, qui a presque tout dit déjà, évoquait cette histoire de la réflexion en France de la place du numérique dans l'éducation. Et moi j'observe qu'on s'est souvent demandé, et on se demande souvent aujourd'hui encore, ce que l'éducation peut bien faire du numérique. Que peut-elle faire des techniques numériques ? Il faudrait s'arrêter sans doute sur définir le numérique, mais je ne vais pas le faire là. Donc, que pourrait-on faire, que devrait-on faire de ces techniques numériques qui sont disponibles, non pas parce qu'elles ont été développées pour nous, mais parce qu'elles sont disponibles sur un marché, qui est les marchés numériques. Alors, je n'ai pas fait cette mauvaise blague que je fais parfois, c'est pas vraiment une blague, mais en choisissant d'afficher une image d'une poule qui regarde un couteau. Parce qu'il me semble parfois que nous sommes dans cette situation-là. Le couteau, ce sont les techniques numériques, et elles défilent ou elles déferlent, hein, ça a été dit aussi. Hein. Il est difficile de construire un point de vue stable parce que les techniques se succèdent et les dynamiques économiques les portent aussi et qui placent devant nous sans cesse nouvelles techniques et sans cesse elles sont là, nouvelles, elles sont vraiment nouvelles. Et nous devons nous demander, mais qu'allons-nous en faire avec une petite voix, pas forcément la nôtre, qui nous dit il faut absolument en faire quelque chose, il y a sans doute quelque chose de bien à faire avec. Donc ça c'est la poule qui a trouvé un couteau et qui finit par en faire quelque chose. Un des derniers couteaux, moi je ne vais pas en parler, mais ça a été un sujet annoncé tout à l'heure, pas pour aujourd'hui forcément, mais un des derniers couteaux que la poule, que je suis et que nous sommes à devant d'elle, c'est l'intelligence artificielle. Qu'allons-nous faire ? Devons-nous en faire quelque chose ? Qu'allons-nous en faire ? Quelles sont les... Oh, c'est bien aussi ça. Quelles sont les potentialités de ces nouvelles techniques, pas si nouvelles, mais enfin qui développent beaucoup ? Quelles sont aussi les réserves que nous pouvons avoir et l'approche critique que nous devons avoir de la réalité et des usages de ces techniques ? Donc ça, c'est ce que le numérique fait aux institutions éducatives et ce que les institutions éducatives peuvent, je n'ai pas osé écrire doivent, pourraient peut-être, devraient faire des techniques numériques. Je voudrais ensuite, presque terminer, pas tout à fait terminer, par l'expression, la présentation très rapide, parce que vous les comprendrez, vous les savez déjà, vous les avez déjà en tête, mais je crois qu'elle mérite d'être discutée un peu, 4 contraintes de soutenabilité des usages que nous faisons du numérique dans l'éducation, pas que dans l'éducation d'ailleurs, mais dans l'éducation pour ce qui nous concerne. Puis à la fin, je propose un retour à Poitiers, enfin le retour ce sera moi ce soir à Poitiers, mais plutôt un aller à Poitiers au mois de juin, puisque nous organisons une grande manifestation internationale, enfin au moins nationale, mais à vocation internationale à Poitiers sur le numérique pour l'éducation, et je voudrais vous en dire 2 mots, et vous inviter à y contribuer, parce qu'il y aura des moyens de le faire, d'intervenir, pour présenter et discuter avec toutes sortes de partenaires, je dirais à la fin, de vos projets, mais aussi de vos interrogations, de vos difficultés, des problématiques que vous avez à traiter. Voilà. Donc ça, c'est le résumé, et maintenant, c'est le contenu. Alors, Techné, qu'est-ce que c'est ? Techné, c'est un petit laboratoire bois de vin. C'est pas dans l'air du temps, le petit laboratoire, en plus, il est récent, à l'échelle, non pas géologique, mais à l'échelle... Les universités, il est très récent, mon université, ben celle dans laquelle je travaille, elle a été créée, dit-on, en 1431, c'est une des plus vieilles universités d'Europe,
C'est pas vrai en réalité, puisque les universités françaises ont été créées en 1968, mais bon, il y avait une université là depuis 1431. Et Techné a été créée en 2012, donc vous voyez, c'est tout petit. Et nous sommes peu nombreux, nous sommes une vingtaine de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent avec un projet, une stratégie de laboratoire qui est thématique. Nous sommes un des rares laboratoires dont toutes les activités de recherche portent sur les usages du numérique dans l'éducation. Et plus particulièrement, même si on est en quelque sorte un peu généraliste de la question, nous travaillons sur les processus d'appropriation de ces techniques par leurs différents utilisateurs dans le champ de l'éducation, donc souvent les élèves, souvent les enseignants, souvent dans l'environnement scolaire ou universitaire, plutôt scolaire qu'universitaire, mais aussi parfois avec d'autres publics. On commence à s'intéresser par exemple beaucoup aux publics les plus âgés. Alors, je ne sais pas comment les appeler, on dit les seniors, mais je n'aime pas ça parce que selon les différents organismes internationaux ou nationaux, on peut être senior très jeune et ça fait longtemps que je suis senior, donc je ne dis pas trop. Mais disons les plus âgés. Parce que vous savez, nous avons des vrais enjeux liés au numérique avec nos élèves les plus jeunes. Il y a de vrais enjeux sociaux à développer les compétences d'usage, simplement, hein, du numérique pour les plus âgés. Tellement nos administrations portent sur des applications numériques les services de santé, par exemple, les services administratifs. Et nous voyons, alors dans cet environnement géographique qui est le vôtre, je ne sais pas, dans l'environnement très rural qui est le mien, nous voyons beaucoup de populations qui s'éloignent des services qui leur sont pourtant destinés, de santé ou administratifs notamment, parce que les services au sens physique n'existent plus. On ne délivre plus de carte d'identité dans une mairie d'une petite commune, par exemple. Et que pour le faire, on y substitue des services numériques auxquels une bonne partie des personnes les plus âgées n'ont pas accès, non pas qu'elles ne disposent pas des équipements ou du réseau, mais qu'elles ne disposent pas des compétences pour le faire. Et donc, ça veut bien dire que ces questions-là de numérique, d'usage du numérique, allant jusqu'à cette problématique qui est centrale aujourd'hui de citoyenneté, c'est-à-dire d'être dans cette situation, de pouvoir vivre avec, d'être émancipé, de pouvoir vivre dans notre société de façon pleine et entière, eh bien, n'est pas garantie parce que l'éducation et la formation à ces questions-là de ces différents publics n'est pas organisée non plus. Et si l'école se mobilise pour cela, pas suffisamment de mon point de vue, j'y reviendrai, mais en tout cas, qui se mobilise pour les autres publics que je décris ici, en particulier les personnes les plus âgées, si ce n'est des associations, mais en tout cas, peu de services de l'État sont mobilisés pour ces questions-là. Je sors du sujet peut-être, mais peut-être pas tant que cela non plus. Donc, à Techné, nous travaillons sur ces questions d'appropriation. Nous sommes un laboratoire pluridisciplinaire. Enfin bon, nous essayons de développer des travaux interdisciplinaires, mais l'équipe, elle est pluridisciplinaire. Donc, les disciplines principales, je vous les liste. C'est pas très bien, mais c'est parce que c'est la discipline la plus représentée, je trouve que c'est la mienne. C'est sciences de l'information et de la communication. Et il y a aussi des collègues d'informatique. Parce que nous trouvons important, et c'est important au fond de le dire et de le faire, et pas seulement en laboratoire Techné, d'instaurer un dialogue, et au-delà du dialogue, un travail entre les différentes approches disciplinaires qui s'intéressent au numérique. Bon, ça a été dit tout à l'heure d'une autre façon, mais c'est vrai pour la recherche. Et comme il a été écrit dans une tribune dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, les sciences humaines et sociales, dont je suis un des représentants, ne sont pas seulement là pour indiquer aux entreprises à quelles conditions leurs techniques et leurs produits sont acceptables par les publics. Donc, évidemment, quand on travaille sur l'appropriation, comme c'est mon cas, quelque chose qu'on peut faire assez facilement, c'est-à-dire guider les entreprises pour que leurs produits et services, ceux qu'ils vendent, soient plus acceptables, donc mieux utilisés, donc mieux vendus. Mais non, évidemment, les sciences humaines et sociales ont un autre rôle à jouer dans la conception même de ces techniques et dans la conception des usages qu'ils prétendent servir, qu'ils espèrent susciter. Et ça n'est possible qu'à la condition de travailler de façon interdisciplinaire et intercatégorielle. Interdisciplinaire, donc je le dis, entre sciences de l'information et la communication, pur produit des sciences sociales, et informatique, pur produit des sciences dures, ou je ne sais pas comment les dire, et de la technologie.
avec d'autres. Hein, à Technet, nous avons des psychologues, de psychologie cognitive. Nous avons des sciences de l'éducation et de la formation. Nous avons des linguistes aussi. Ça, c'est interdisciplinaire, mais c'est aussi intercatégoriel. Je ne pense pas aujourd'hui, il y a différentes façons de faire la recherche, mais je ne m'imagine pas, en tout cas, celle que je réalise, celle que j'essaie de réaliser, sans travailler non seulement avec des collègues d'autres disciplines, mais aussi avec d'autres catégories d'acteurs, que sont en premier lieu les praticiens de l'éducation, vous, les élèves aussi, donc j'ai entendu qu'il y en avait dans la salle, et c'est important, les entreprises, qu'on n'a pas non plus diaboliser, même si on doit avoir une certaine distance critique à leur égard, ça aussi été dit en introduction, en tout cas pour certaines d'entre elles, mais on ne peut pas ne pas travailler avec elles. On ne peut pas reprocher aux GAFAM ce qu'elles nous font, qui est vrai, sans instaurer un véritable dialogue pour les mettre en situation, pour pouvoir en demeure de changer avec nous et d'avancer avec nous. Donc voilà, vous avez une photographie un peu illisible à l'écran de ce qu'est le laboratoire Techné, qui est là pour illustrer le fait que nous avons, compte tenu de notre pluri- et interdisciplinarité, une stratégie de recherche qui combine, qui essaie de combiner le travail de terrain avec tous les acteurs que je viens d'indiquer, mais aussi le travail en laboratoire. Ce que vous voyez, c'est une photographie de notre plateau technique qui est une salle, on voyait deux salles en réalité, vous voyez une salle de travail comme une salle de classe, vue depuis une régie au travers d'un panneau qui est une immense glace sans teint. Et dans ce plateau, là, dans cette salle, comme une salle de classe, nous pouvons recevoir toutes sortes de publics dans toutes sortes d'activités. Par exemple, nous allons bientôt recevoir régulièrement des collégiens dans le cadre du dispositif devoir fait au collège, du coup ce sera plutôt devoir fait à Techné, mais même principe, un collège voisin, pour les mettre un peu, en l'occurrence, les collégiens sous la microscope, la loupe, ou les différentes loupes que nous utilisons pour analyser leur activité, comprendre ce qu'ils font. Et ces loupes, ces microscopes, enfin ces instruments de recherche, vous les voyez figurés à droite, trois d'entre eux en tout cas, deux de petits inserts. Les images en insert à droite, là, du haut en bas, vous ne pouvez absolument pas voir ce que c'est, mais je vous le raconte simplement. En haut à droite, c'est un instrument qui nous permet de géolocaliser les personnes qui sont dans la salle que l'on voit sur la photo principale et de retracer leur déplacement. Et donc ça fait écho à des problématiques de recherche sur la façon dont on investit les espaces physiques, dont on se les approprie, et dans des activités où on ne fixe pas un élève ou un prof assis à sa chaise, à sa table ou devant son pupitre pour faire une conférence. Il est important de comprendre les déplacements et les associer à la recherche. Au milieu, je crois que c'est plus explicite, nous travaillons sur l'analyse de l'attention. C'était aussi évoqué tout à l'heure la question de l'attention avec cette analogie qui a ses limites mais qui fonctionne pas mal, qui est de dire nous sommes le plus souvent attentifs à ce que nous regardons. C'est pas tout à fait vrai, hein. Pas toujours vrai en tout cas. Donc nous utilisons là les techniques dites d'eye tracking hein, pour suivre l'attention visuelle des personnes, alors, pas de toutes les personnes qui sont dans la salle parce que ça engendre des coûts techniques qui sont un peu insurmontables pour un petit laboratoire. Une paire de lunettes d'eye tracking, ça coûte entre 20 et 30 000 euros, donc on n'a pas tout à fait les moyens d'en équiper tous ceux qui sont dans la salle. Et puis en bas à droite, c'est vraiment les techniques qu'on utilise le plus souvent, et pas seulement dans notre laboratoire, c'est que nous travaillons beaucoup sur l'analyse des données que nous collectons relativement à l'activité numérique des élèves, par exemple, ou des profs, ou des personnes dont nous analysons l'activité. Nous faisons, pour ceux qui sont un peu techniques, au travers des proxys, mais nous le faisons autrement, nous le faisons en installant, nous développons et nous installons des sondes logicielles qui renvoient vers nos serveurs les données plus précises sur l'activité numérique des utilisateurs que nous traçons. Et nous procédons ensuite avec essentiellement des analyses statistiques pour pouvoir comprendre les comportements. Et nous articulons cette dimension très big data, très technique, très statistique, avec évidemment des observations de terrain, des entretiens, des questionnaires,
les méthodes plus habituelles en sciences humaines et sociales. Pour vous donner, je suis long, mais je pense que ça dit pas mal aussi des questions qui nous préoccupent. J'ai dit 45 minutes, je n'ai pas regardé l'heure de départ, donc ça peut aller jusqu'à 30, je pense, hein, je vous donner quelques exemples hein, des programmes de recherche que nous développons. Et qui s'organisent selon trois axes. Ce ne sont pas des équipes à l'intérieur, ce ne sont pas des sous-équipes à l'intérieur de Technet, mais c'est plutôt des axes thématiques qui se croisent parfois, mais qui permettent de donner une certaine visibilité à nos travaux, pour vous, enfin pour ceux qui s'intéressent à nous, et puis pour nous aussi, pour les construire. Donc nous avons un axe qui est un axe qui occupe le plus grand nombre de mes collègues, le plus grand nombre de nos projets, et qui consiste à nous impliquer dans des projets qui sont a priori pas toujours des projets de recherche, qui ne sont pas d'emblée des projets de recherche, mais qui sont des projets dans lesquels la recherche peut apporter quelque chose en termes de conception, l'analyse des usages de services, d'outils, l'analyse de certaines pratiques pédagogiques, certaines activités d'apprentissage, nous permettre en retour, enfin l'analyse de l'activité, ceux qui les réalisent, nous permettre en retour d'aider ceux qui les conçoivent à mieux concevoir, à améliorer dans un processus souvent itératif, à améliorer bien, leur pratique pédagogique, leurs équipements matériels, leurs services logiciels, etc. Par exemple, nous avons été, alors je ne vais pas donner d'avis personnel sur le succès réel de l'opération, mais nous avons été le laboratoire qui a accompagné l'entreprise You Know Why. Je ne sais pas si vous situez cette entreprise. C'est l'entreprise qui a conçu et qui développe et qui commercialise la tablette School, la solution School. Donc nous les avons accompagnés pendant 3 ans. C'est très compliqué de travailler avec l'entreprise. Parce que la logique de la recherche, celle de l'éducation et celle de l'entreprise sont pas toujours faciles à concilier. En l'occurrence, là, ça n'a pas été si facile que ça. C'était très intéressant, mais pas si facile. Donc cette tablette existe, il n'y a pas de nom de Technet dessus, malheureusement, il n'y a pas les royalties non plus, mais il y a un petit peu de nous dedans. Et on a travaillé pendant 3 ans avec eux, en suivant les usages qui étaient faits des différents prototypes de la tablette, dans 15 collèges de Saône-et-Loire. Autre projet actuel, dans le même registre, nous travaillons en Loire-et-Cher, grâce à un financement du ministère de l'Éducation nationale, pour travailler sur une meilleure compréhension, une bonne compréhension des usages que les élèves et les profs d'une partie des collèges de Loire-et-Cher vont faire des tablettes dont ils sont équipés. Le hasard fait que ce sont les mêmes d'ailleurs. Ça, c'est le hasard des marchés. Enfin, bon, les marchés sont pas vraiment du hasard, mais en l'occurrence, là, il y a du hasard. Et là, c'est une logique de, disons, de learning analytics. Nous équipons, nous avons développé une plateforme qui permet de recueillir les activités numériques des élèves et nous essayons un peu de les catégoriser pour envoyer vers les élèves, vers les profs et vers aussi les équipes des établissements et celles du département et de l'académie, des indicateurs, nous construisons des indicateurs d'activité, nous les construisons avec les publics, hein, bien sûr. Nous ne pouvons pas construire ces indicateurs et les tableaux de bord qui en témoignent sans les utilisateurs qui savent ce dont ils ont besoin et qui savent ce dont ils ont besoin si on les aide à formuler, à formaliser leurs demandes. Donc là, on a un travail qui est véritablement un travail d'aide au développement du projet dans le Loir-et-Cher. Et puis, je l'ai signalé, nous travaillons sur les devoirs faits au collège dans un projet qui s'appelle Petite Fleur des devoirs au collège. Ça, c'est un axe. Je vais accélérer un peu parce que je vais finir par ne pas vous parler de culture numérique. Mais Technet, évidemment, mon outil. Un deuxième axe qui est très important par rapport à ce dont il est question ce matin, c'est nous essayons de comprendre, je le disais, l'appropriation tout à l'heure, en rapprochant ces processus d'appropriation des techniques numériques, des processus d'acculturation numérique. J'en parlerai tout à l'heure de façon un petit peu plus conceptuelle. Et c'est important de le faire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment se transforment les usages des techniques numériques disponibles par les acteurs qui s'en emparent, notamment dans les établissements scolaires. Nous faisons au travers de différents projets. Je ne vais pas tous les citer, ce serait trop long, mais je vous en. Voilà, où se trouve, c'est le dernier de la ligne, là, CLEMI, c'est pas un projet, c'est juste pour dire que Technet est le laboratoire d'appui du CLEMI national sur ces questions-là. Et
que la directrice scientifique et pédagogique du FEMI, qui s'appelle Isabelle Ferroc, est une chercheuse de technique. Mais je vais plutôt évoquer comme exemple le projet DPA, qui est un projet que nous réalisons avec la Fondation Maïf. Donc Fondation Maïf, qui dit Fondation Maïf dit prévention des risques. Et la Fondation Maïf est intéressée, la Maïf aussi sans doute, les assureurs en général, mais la société de façon plus large, pour essayer de mieux comprendre les risques encourus par les adolescents lorsqu'ils font un usage qu'on pourrait qualifier d'irraisonné, qu'on pourrait, beaucoup de guillemets, de leur smartphone. Et nous travaillons sur deux points très précis qui sont la dette de sommeil, ça va être le premier point, et un deuxième qui est encore plus connecté que le premier aux perspectives éducatives et scolaires, qui est le défaut d'attention en classe. En tout cas, le défaut potentiel d'attention aux heures de classe. Pour ce faire, hein, nous équipons là aussi des flottes complètes de smartphones d'adolescents qui viennent bien, hein, c'est ni secret ni opposé, ça commence là. De sondes, qui encore une fois renvoient nos serveurs, etc., etc. L'idée est de pousser en retour vers les adolescents des indications sur les usages qu'ils font et un certain nombre de recommandations dans une vision très positive pour engager un cercle très vertueux pour les aider, pas pour se substituer à eux, ni à leur famille, ni à leurs profs, pour les aider à construire eux-mêmes l'usage le plus émancipé possible et le plus proche d'eux possible des smartphones dont ils disposent, et nous le savons, ils en disposent tous. C'est assez compliqué, et ça va à rebours complet des discours craintifs et négatifs qui fleurissent depuis quelques années ou quelques mois, et encore plus aujourd'hui, sur les dangers. Je prends une formule à laquelle je n'adhère pas, mais c'est celle qui est très souvent utilisée, les dangers des écrans. Je pense qu'on ne peut pas réduire le numérique aux écrans. C'est intéressant de parler des écrans quand même, et d'ailleurs dans l'introduction de Rosette, j'ai remarqué un détail qui m'a beaucoup plu, je le relève ici, c'est de parler du temps de cerveau disponible, parce que c'est intéressant de rappeler ça, parce que quand ça a été dit, ça n'a pas été dit pour le numérique, ça a été dit pour la télévision. Et pourquoi je reprends ça? Parce que beaucoup des craintes qui sont exprimées aujourd'hui à l'encontre du numérique sont des craintes qu'il y a 20 ans, qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, étaient à peu près avec les mêmes mots, avec la même force, utilisées à l'encontre de la télévision. Donc, je vais fermer la parenthèse, mais c'est intéressant de se souvenir de ça, parce que beaucoup ont travaillé sur la télévision, enseignants, chercheurs, etc., à ces époques, dans les années 80 en particulier, et quand on relit... C'est assez amusant quand on relit des textes de ces années-là, on change télévision par numérique ou internet, eh bien, on lit des choses très très intéressantes. Donc voilà, et puis troisième axe, 25 minutes, enfin, ça va aller à une petite. Nous avons développé aussi, nous réalisons des projets qui concourent non pas à l'évaluation, comme je l'ai dit imprudemment parfois, parce que ce n'est pas notre mission de procéder à des évaluations, mais à l'analyse des politiques publiques. Donc, je les cite très rapidement, sans entrer dans les détails. Orpi, c'est intéressant, parce que Orpi, c'est un programme international que nous avons réalisé pour évaluer, pour analyser les politiques publiques du numérique dans des systèmes éducatifs différents, dans 5 pays différents, concernant les écoles rurales. Et c'est très intéressant, parce que bon, les pays en question étaient un peu différents, Pérou, Chili, Argentine et France, ça fait pas 5, ça fait 4. Et c'est intéressant parce qu'évidemment il y a des contextes extrêmement différents et puis il y a des questions extrêmement similaires. Et on espère poursuivre, on cherche le financement pour préciser, pour revenir avec cette même idée de, non pas de comparaison, mais de mise en perspective sur une thématique qui va nous parler, qui est celle. De l'utilisation des smartphones par les élèves dans l'enseignement scolaire. Living Cloud, je ne commande pas, c'était une commande de la région Nouvelle-Aquitaine pour réfléchir à l'équipement des élèves au cloud. Une question intéressante aussi. Et puis,
nous avons contribué fortement à l'enquête de la Cour des comptes, que vous connaissez sans doute, hein, sur le financement public du numérique éducatif, dont le rapport final a été publié sur le site de la Cour des comptes le 18 juillet dernier. Je vous le recommande. Il y a une synthèse, au moins, qui je trouve très intéressante. Nous avons travaillé avec la Cour des comptes à l'ensemble de l'enquête, mais nous avons assumé la partie terrain, la partie vraiment l'enquête elle-même, pour tout ce qui concerne l'école primaire, les écoles et les collectivités. Donc voilà, ça dessine un peu, je crois, aussi certains enjeux pour ce qui concerne l'appropriation du numérique, l'utilisation du numérique dans l'environnement scolaire. Donc, la culture ou les cultures numériques, elle est plutôt singulière, la culture, dans le quelques titres, on pourrait la mettre au pluriel, en tout cas c'est un débat, je ne vais pas l'ouvrir là, je ne veux pas, mais je le signale. Évidemment, c'est un peu dangereux de parler, c'est un peu dangereux politiquement, c'est un peu dangereux scientifiquement de parler de la culture. Donc on peut mettre un S et penser quand même que dans cette dynamique de très forte globalisation, il reste des cultures. Et que c'est important. Donc, du point de vue très scientifique et conceptuel, on peut faire remonter, on peut remonter plutôt dans l'histoire des sciences et de toutes les sciences, et à commencer par la philosophie très très loin. Mais si on s'intéresse aux travaux sur la culture, reconnus comme étant des travaux scientifiques sur la culture dans le monde entier, ils sont récents. Les sciences de la culture, qui ont des liens avec différents autres domaines disciplinaires ou champs scientifiques, sont des sciences du 19e siècle, pas avant. Pour autant, même si très récente, très, très vive, très fournie, et encore assez récemment, un chercheur a tenté de dénombrer les définitions pouvant être données du concept de culture et des définitions suffisamment distinctes pour qu'on puisse les dénombrer, c'est-à-dire en éliminant les variantes. Et bon, je ne sais pas la fiabilité de ce travail, je ne suis pas en mesure d'en juger, mais il en a dénombré plus de 200. Donc on est encore dans un domaine scientifique où il y a du travail à faire, et c'est bien. Et vous savez peut-être, il y a eu un très grand débat, puisque la culture, on peut l'envisager en particulier sous l'angle de l'anthropologie, en tout cas moi c'est l'angle qui m'intéresse, et il y a un débat qui est historique entre les anthropologues, anglo-saxons et les autres dont nous sommes, enfin dans notre espace, et qui rapproche ces questions soit de l'anthropologie culturelle avec une prédominance de la dimension culturelle vers la dimension sociale, je vous vais voir tout de suite pourquoi j'évoque ça tout de suite, et puis d'autres qui prennent le cheminement inverse et qui disent finalement la culture c'est une forme d'abstraction mais qui ne peut être comprise que si on s'intéresse à des phénomènes qui sont sociaux. Bon, moi, je suis plutôt de ceux qui fonctionnent dans le premier sens, c'est-à-dire qui considèrent la culture d'une façon assez générique, je vais vous dire comment après, et qui pensent, je pense que de façon empirique, on le voit, que le niveau social est un niveau, finalement, la dimension sociale est importante, c'est-à-dire dans une même ère culturelle, eh bien, on voit des comportements, on voit des traits culturels qui sont appropriés différemment, selon les groupes sociaux. Je pense qu'on vit ça dans les établissements scolaires, bien sûr. On baigne, on vit, on évolue dans un paysage culturel qui est le nôtre à tous. Et il se décline, il s'implémente de façon différente, selon différentes variables, selon différents déterminants. Et un des déterminants, c'est le déterminant social. Donc en France, on fait beaucoup référence à lui. Et on l'utilise à toujours à bon escient, donc peut-être, est-ce que aujourd'hui je n'utilise pas à bon escient, mais Marcel Mauss, anthropologue français, a produit dans les années 20 son œuvre majeure, en tout cas celle pour laquelle il est connu, sur le don, hein, c'est le théoricien du don. Mais dans ses travaux, il a en particulier mis en évidence quelque chose de très intéressant quand on pense au numérique, c'est qu'il a mis en évidence qu'il y a des faits qui traversent tellement nos sociétés qu'elles acquièrent une réalité de fait social total, au sens où elles transforment nos comportements et elles transforment nos institutions.
Et je crois aussi, pour prolonger ce qui a été dit en introduction, que de cette façon-là, on peut qualifier le numérique de fait social total. Donc on s'éloigne complètement, tout en englobant la dimension technique, la dimension économique, elles en font partie. C'est bien plus que ça. Le numérique, les usages que nous en faisons, eh bien, sont un facteur, un vecteur tel de transformation qu'on peut dire du numérique qu'il est un fait social total. Et moi, je pense qu'il y a aussi un fait culturel total, c'est-à-dire que dans les transformations qu'il imprime à notre société, à nos sociétés, il imprime aussi, ou il induit, les mots sont difficiles à choisir, eh bien, les transformations de notre culturel. J'adore cette photo de gauche, je la trouve très illustrative, qui a beaucoup circulé, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas bien où elle a été prise, bon, à droite, ça je sais, c'est Marcel Mauss, mais à gauche, je ne sais pas, mais je pense que ça dit beaucoup. Quand, je ne sais pas si vous la distinguez bien, mais si, je vous la commente si ça n'est pas le cas. Quand on utilise une tongue comme simulacre de smartphone pour faire un selfie, je crois qu'on peut dire là que le numérique est un fait social et un fait culturel total. Il y a un autre indice, il y a beaucoup d'indices de ça. Il y a un indice qui me semble très pertinent à relever, mais qui est aussi, je dirais, scientifiquement, conceptuellement intéressant, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qui ne se voit pas. Quand on parle du numérique, on a une approche toujours très, enfin, toujours souvent très positive, c'est-à-dire on s'intéresse à ce qui se fait, enfin positif, pas au sens de dire c'est positif ou négatif, mais au sens de on ne s'intéresse qu'à ce qui se voit, qu'à ce qui existe. Et pour comprendre le numérique, il faut aussi s'intéresser à ce qui n'existe pas et à ce qui ne se voit pas. Et une technologie, des techniques qui réussissent socialement, c'est-à-dire qui ont justement cette dimension qui peut aller jusqu'au fait social ou au fait culturel total, eh bien, ce qu'on observe, c'est pas propre au numérique, c'est que ce sont des techniques qui disparaissent. C'est-à-dire qu'elles sont tellement là qu'elles disparaissent. Par exemple, l'électricité est une technique qui disparaît, qui se préoccupe, sauf quand ça ne fonctionne pas. Qui se préoccupe de savoir s'il y a de l'électricité quand il vient dans cette salle pour connecter son ordinateur ou je ne sais quoi ? Personne. Par contre, s'il y avait eu, je ne sais pas, des méchants manifestants qui auraient coupé les lignes de l'INSEP, là, on aurait bien sûr pensé à l'électricité. C'est pareil pour le réseau. Alors, je vous disais, moi, je suis vice-président de mon université, chargé du numérique. Eh bien, le réseau m'en parle. Quand ça ne fonctionne pas, bien sûr. Et moi, je sais que j'en parle beaucoup pour que ça fonctionne, mais ça, c'est invisible. Eh bien, nous avons fait une étude. En fait, nous avons fait la même étude, presque la même étude, deux fois à 10 ans d'intervalle, pour savoir quelle était la présence du numérique dans les représentations que les élèves de collège et de lycée avaient du collège et du lycée, avaient de la scolarité, avaient de l'école au sens général. Et il y a 10 ans, enfin c'était il y a 11 ans même, c'était en 2009, eh bien, le numérique avait beaucoup de place dans les représentations que les collégiens et les lycéens avaient du collège et du lycée. Et je présume que si nous l'avions fait 10 ans avant, ça aurait été encore plus vrai, parce que le numérique, qu'on appelait plutôt informatique, n'existait plutôt qu'à l'école, plutôt qu'en dehors de l'école. 10 ans après, 2019, enfin, c'est un peu faux parce qu'on l'a fait en 2018, disons presque 10 ans après, eh bien, avec à peu près les mêmes outils théoriques et méthodologiques, donc des analyses de représentation, je ne vais pas sur les détails, eh bien, on constate, non pas une disparition complète, mais presque, le numérique n'est plus présent dans la représentation des élèves. Et ça dit beaucoup de la place réelle prise par le numérique, invisible, mais encore plus présente. Donc, pour essayer de conceptualiser ça, il faut en venir un peu à définir ce qu'est la culture. Moi, mon propos, mon point de vue, construit en quelques dizaines d'années, là, sur cette question-là, c'est une question en cours, c'est le processus parallèle à celui relatif à la citoyenneté évoqué par Paul tout à l'heure, c'est que la culture numérique, j'accepte ce mot-là parce qu'il est pratique, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas, la culture numérique. Pas plus les cultures numériques, d'ailleurs, que la culture numérique. Ce qui existe, c'est la culture et les cultures.
Et le numérique, le fait social et le fait culturel total numérique, transforme notre culture, nos cultures. Donc il est beaucoup moins commode, mais beaucoup plus pertinent de dire « Je vous parle de nos cultures telles qu'elles sont transformées par le numérique. » Donc, Olivier Donat, qui est l'un des grands spécialistes français de la sociologie de la culture, dans un rapport écrit il y a quelques années déjà sur les pratiques culturelles des Français, c'est un rapport régulier financé par le ministère de la Culture, très intéressant, avait choisi le titre « Les pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique ». Et ça, je pense que c'est juste. Donc si on dit ça, on va un peu évacuer, ou plutôt inclure le numérique à la culture, pas l'évacuer, mais considérer qu'il est l'un des processus, l'une des réalités de la culture. Ce qui est important, et transformé par le numérique, c'est de se demander mais comment catégoriser ces transformations-là? Quelles sont-elles? Quels en sont les processus? De façon schématique, je pense qu'on peut en identifier quatre, ceux qui figurent ici à l'écran. La culture, on peut la considérer donc comme le cadre qui permet à chacun d'entre nous de construire son action, de construire ses valeurs, d'évoluer dans notre environnement. C'est ce qui régit, enfin, ce qui régit, ce qui encadre, ce qui ne régit pas, ce qui encadre, eh bien, le rapport individuel au collectif. C'est d'ailleurs, exprimé autrement, la définition entre guillemets officielle que l'UNESCO a donnée dans les années 80, 84, je crois, de la culture, dans un texte très intéressant, dit Déclaration de Mexico, je crois, c'est 1984. Donc, moi j'y vois quatre catégories d'interaction justement de l'individu à son environnement, à son milieu. Le rapport que nous avons, chacun d'entre nous, à l'information et à la connaissance, pour la suite je l'appellerai interaction conceptuelle, le rapport que nous avons au temps et à l'espace, interaction spatio-temporelle, le rapport que nous avons aux autres et à nous-mêmes, relationnel, et un peu plus difficile à décrire peut-être, mais très important, essentiel, même le rapport que nous avons, et faute d'orthographe, vous pouvez m'en excuser, et la capacité que nous avons, les possibilités que nous avons, nouvelles, de faire et d'être, de faire ainsi, de faire. Michel Lallemand du CNAM dit « Le numérique, c'est l'âge du faire », chose une jolie formule, et d'être créatif. On peut analyser, je crois, ben je ne crois pas, j'en suis certain, plus ou moins bien en tout cas, mais on peut le faire, toute culture en analysant la réalité de ces quatre types d'interactions dans l'environnement, dans un environnement considéré. Et donc, on peut appliquer ça aux institutions éducatives, qui sont évidemment des institutions culturelles, qui s'inscrivent dans un espace-temps culturel. Et ça, c'est la forme scolaire. Alors, il y a plusieurs façons de la définir, et je vous invite à surtout ne pas la réduire aux espaces physiques d'apprentissage. La forme, c'est pas seulement au sens géométrique, la forme, c'est au sens sociologique, et c'est au sens de la détermination de ces quatre types d'interactions que je viens de vous présenter rapidement. Donc c'est une norme, la forme scolaire, et c'est une norme qui hérite de notre environnement culturel, mais c'est aussi un choix politique, on peut évidemment l'infléchir. Et on peut en particulier, c'est très important pour numérique et citoyenneté numérique, on peut en particulier jouer sur un curseur qui est très important et qui est de la perméabilité, celui de la perméabilité de la forme scolaire par rapport à notre environnement social, sociétal en général. Et ce qu'on doit faire, comme ça a été une vieille discussion, c'est condenser une école à l'écart de la société, ou est-ce qu'on va faire une école de la société dans la société? Donc, je ne vais pas argumenter longtemps, mais vous voyez comment les interactions conceptuelles eh bien, se traduisent notamment par les savoirs scolaires, par un rapport au savoir, par la médiation du savoir, le manuel scolaire, si on va un petit peu dans le passé, vous parlez en présent aussi, ou l'enseignant, et comment tout ça est bousculé par le smartphone et Wikipédia et les réseaux sociaux. Les interactions spatio-temporelles, le temps scolaire, les vacances, les heures de classe, la grille qui permet d'entrer dans la cour, donc qui sacralise un temps et un espace, et tout ce que le numérique permet de faire et de jouer, et de se jouer avec le temps et l'espace.
les interactions relationnelles, eh bien, les règles relationnelles, hein, qui a le droit de parler quand, avec quelle modalité, pour dire quoi, avec quel vocabulaire, quel niveau de langue, etc. Tout ça est quand même un petit peu bousculé par l'utilisation du numérique, les réseaux sociaux et autres moyens de communication. Et puis, c'est la dimension des interactions poétiques, c'est-à-dire la créativité, les arts de faire. Et bien là, des nouvelles possibilités qui sont une porte ouverte à la création et à la créativité pédagogique, qui est évidemment essentielle, qui est l'un des... On disait potentiel numérique tout à l'heure, je pense que il est ici le potentiel du numérique en particulier, et c'est vraiment extrêmement positif et intéressant. Il me reste 5 minutes, c'est ça, donc je vais passer là hyper rapidement sur l'idée que nous sommes, ça a été dit aussi, dans des temps d'acculturation qui ne sont pas toujours des temps courts, ça peut demander du temps, et qu'on peut être assez, comment dire, on peut réfléchir de façon assez intéressante en essayant en regardant les travaux de recherche sur l'acculturation au sens plutôt géographique des populations qui migrent. Et si on transpose cette migration géographique en une évolution temporelle, une société dont le contexte change beaucoup avec le numérique, eh bien on peut réfléchir aux stratégies et aux processus d'acculturation, et en particulier à ces deux idées qui figurent dans ce modèle de Berry, qui sont, quand on migre, donc nous sommes on reprend aussi l'expression de principe, des migrants pour ce qui est du numérique, est-ce que l'on conserve toutes les valeurs, l'intérêt et son identité d'origine, ou pas? C'est les deux colonnes. Est-ce qu'on cherche à acquérir ou pas, eh bien, ce que permet la nouvelle culture dans laquelle on se retrouve immergé? Si on répond oui dans les deux cas, ce qui est évidemment ce qu'on veut pour l'éducation, on se retrouve dans une logique qui est celle de l'intégration. C'est d'ailleurs la même façon d'utiliser l'intégration que lorsque l'on dit pour les immigrants au sens physique, intégration à la française, c'est de ça dont on parle. Conserver ce qui vient du passé et se nourrir ce qui vient du nouveau. Je passe, j'ai pas le temps, c'est dommage. Très rapidement, si on regarde maintenant ce que font les institutions éducatives du numérique, il y a ce que je disais au début de la poule du couteau, c'est-à-dire la poule du couteau, c'est souvent utiliser le numérique pour organiser des activités d'apprentissage pour des apprentissages tiers au sens palier numérique, donc les maths, du français, l'histoire et d'autres. On s'est essentiellement concentré sur ça. Il y a sans doute des raisons sous-jacentes, j'ai pas le temps j'ai quelques hypothèses là-dessus, j'ai en particulier une hypothèse forte que c'est très fortement déterminé par les marchés, cette dimension-là des usages du numérique à l'école, pas que bien sûr, mais quand même. Je vais plutôt insister sur la deuxième catégorie des usages que l'on fait, que l'on peut faire, que l'on doit faire du numérique à l'école. C'est apprendre au numérique. Et donc là, on rejoint cette question de la citoyenneté numérique. Pour être un citoyen, non pas numérique, je pense que ça n'existe pas, c'est comme la culture, mais un citoyen à l'ère du numérique, eh bien, il faut évidemment maîtriser, comprendre, maîtriser, ça a été dit déjà, je le redis, les enjeux liés à cette transformation d'ordre culturel. Il faut aussi maîtriser les techniques, en avoir une connaissance, pouvoir les utiliser pour faire ce qu'on veut en faire. Or, cet apprentissage du numérique au sens le plus étendu qui soit, il ne peut pas seulement procéder de l'expérience. Et si j'avais une seule chose à dire, c'est celle-là. L'expérience, c'était très bien montré pour nos chercheurs, dont Cédric qui interviendra tout à l'heure, l'expérience ne suffit pas à développer toutes les compétences, à acquérir toutes les compétences nécessaires pour le numérique. Alors, il y a cette illusion, ce trompe-l'œil qui fait dire à certains adultes, dont je suis sûr que vous n'êtes pas partie, que les adolescents sont très compétents avec le numérique. Alors si vous le dites, c'est quand même vrai, mais c'est vrai sur certaines compétences seulement. Les compétences qui s'acquièrent par l'expérience. Et plus on utilise, plus on développe ces compétences-là. Donc comme ils utilisent beaucoup, comme nous tous je pense, un peu beaucoup, ils développent beaucoup ces compétences. Mais il y a d'autres compétences de plus haut niveau, plus complexes, moins accessibles à l'expérience ou pas accessibles à l'expérience, et qui nécessitent des activités d'apprentissage conçues pour ces apprentissages, pour être certain que ces compétences puissent être développées.
Et là, il y a une véritable responsabilité du système éducatif, elle est vraiment engagée, parce que si nous ne faisons pas en sorte que ces compétences soient développées par nos élèves, personne d'autre que nous ne pourra le faire, sauf, évidemment, cette frange sociale, on revient aux déterminants sociaux, des élèves qui ont la chance d'évoluer dans des milieux familiaux, favorables, favorisés, donc ça ira très bien pour eux. Mais pour les autres, qui sont quand même plus que la majorité, une très grande majorité, ça n'ira pas bien pour eux. Donc, s'il y a une fracture numérique, sa source est probablement là. Et à ce titre-là, même si c'est compliqué, même si on ne sait pas trop comment faire, même s'il y a beaucoup à inventer, il y a beaucoup à imaginer, beaucoup à valider, beaucoup, etc., si nous avons une responsabilité, elle est là. Et si nous ne l'exerçons pas, je pense que nous sommes, quasiment nous sommes coupables de ne pas le faire suffisamment. Et puis enfin, la troisième catégorie d'usage, c'est le numérique pour organiser les apprentissages. Je ne développe pas, mais c'est tout ce qui concerne l'aide à l'orientation, ce qui concerne les learning analytics, les parcours, le suivi des trajectoires et parcours d'apprentissage. Là, il y a en particulier une place très forte donnée à l'intelligence artificielle. Je bute toujours sur ce mot parce qu'il me pose un problème qui n'est pas phonologique, mais qui est conceptuel. Et en tout cas, il y a matière à réflexion, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vais déborder un tout petit peu, mais pas de beaucoup. Vous dire quand même que tout ça se fait dans un panorama de contraintes qu'il faut avoir en tête. Des contraintes de soutenabilité. Les premières, on les connaît bien. Elles sont pédagogiques et didactiques. Elles sont très liées au fait que les activités d'apprentissage liées au numérique, quelles qu'elles soient, doivent être inventées et réinventées sans cesse. C'est extrêmement compliqué à faire. Et qu'en faisant de cette façon-là, on n'est pas du tout sûr qu'elles sont efficaces, et d'ailleurs beaucoup d'études montrent, c'est compliqué à faire, que la plupart ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des utilisations efficaces du numérique pour apprendre, beaucoup, mais il y a surtout beaucoup de situations où le numérique est inefficace, pire, parfois il est néfaste. Donc on a des contraintes là qui sont très complexes à respecter, mais que nous devons avoir en tête, et qu'évidemment, l'injonction enseigner avec le numérique est une très mauvaise injonction. Deuxième contrainte, c'est celle de l'éthique. Je ne m'attarde pas, ça a été évoqué aussi. Mais plus on utilise le numérique et plus on va vers des techniques assez intrusives et invasives, comme celle, encore une fois, de l'intelligence artificielle, c'est pas si j'ai pas de dire sur le mot, on doit se poser des questions éthiques et pas à la fin. On doit se poser des questions éthiques au début, avant, pendant. Une contrainte. Elle n'est pas nouvelle, mais elle apparaît de façon plus forte et plus nouvelle aujourd'hui, c'est la contrainte écologique. Je ne crois pas qu'il soit si bon que cela d'utiliser tant de numérique avec un coût pour la planète prohibitif si les usages que l'on en fait ne sont pas utiles. Donc je crois qu'on a à balancer, à équilibrer, à chercher à équilibrer en tout cas, l'utilité, et encore une fois, éduquer nos enfants au numérique est absolument indispensable. Donc, ça coûte un peu à la planète, il faut acheter des équipements. Peut-être qu'il faut aussi beaucoup utiliser sur les élèves et un peu moins leur acheter en plus. C'est bien. Et en tout cas, je crois qu'il faut éviter tout usage parasite qui a peu d'intérêt pour l'éducation et les apprentissages, mais qui a un coût écologique un peu trop fort. Et puis enfin...